Thank you.
Putain. Comment ça se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est mort pour nous à la croix. Celui-là même qui a donné tout. Celui-là même qui a supporté tout pour nous. Bien-aimé, nous sommes là ce soir encore. Et si tu as bien remarqué, hier, on était là. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour sonner la trompette de l'Éternel. Pour sonner la trompette du Créateur. Celui-là même qui a donné tout pour nous. Bien-aimé, nous sommes là encore ce soir pour te parler de quelqu'un. Et nous sommes là encore ce soir pour dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Pour te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Malgré ce que tu es. Malgré ce que tu fais. Mais il y a quelqu'un qui a un amour infini pour toi. Bien-aimé. Alléluia. Nous ne sommes pas venus te parler de ta religion. Amen. On s'en fiche de ta religion, bien-aimé. On s'en fiche de ta religion. C'est pour te dire, quand je te dis on s'en fiche, ce n'est pas pour t'insulter, mais c'est pour te dire. C'est pour te dire. Débat même des religions pour dire que tu es dans ça, tu es dans ça. On n'est pas venu pour ça. Alléluia. On n'est pas venu te parler d'une seule personne. Alléluia. Celui-là même que tu connais. Mais celui-là même que tu connais. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu ne sais pas. Celui-là même qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Nous sommes venus ce soir pour te parler de Jésus-Christ. Nous sommes venus te parler de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus pour raisonner. Nous ne sommes pas venus pour raisonner. Pour discuter avec quelqu'un. Pour discuter avec toi. Bien-aimé. Bien-aimé. On va te dire beaucoup de choses. On va te dire beaucoup de choses. On va t'étonner. Alléluia. On va te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu vas te surprendre. Alléluia. On va te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu seras dans les milieux. Alléluia. On va te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu vas commencer à raisonner. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Ceci est vrai. Ceci est vrai. Car tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans sa parole. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes venus en ce soir pour te dire. Nous sommes venus pour te dire. La marche que tu as. La marche dans laquelle tu te trouves. La marche que tu as. Alléluia. Et tu dis que tu es chrétienne. Et puis tu te dis chrétienne. Cette marche-là. Cette marche. Dieu n'appelle pas ça la chrétienté. Bien-aimé, ce n'est pas encore 100%. Ce n'est pas reconnu. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu vas. Où tu te trouves. Tu perds ton temps. 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 Ça veut dire que tu vas là-bas. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous tous nous savons. Nous tous nous savons. Dans ce monde ici-là. Dans ce monde. Il y a une seule personne qui dirige le monde. Alléluia. La personne en temps normal, c'est lui-même qui a créé le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Mais il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Qui est venu s'imposer. Il vient s'imposer. Il dit non. Il dit non. Tu ne peux pas prendre le monde toi seul. Alléluia. Je vais prendre un peu. Tu vas prendre un peu. Un peu. On va diviser ça en deux. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Et il y a Satan. Il y a celui qu'on appelle Satan le diable. L'homme à la culotte noire. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est de cette même manière. C'est de cette même manière. Il y a la mort. Il y a la mort. Et il y a la vie. Et la vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu n'es pas vivant. Alléluia. C'est que tu es mort. Tu es mort ou mort. Lorsque tu n'es pas avec Jésus. Tu n'es pas avec Jésus. C'est que tu fais l'œuvre du diable. Et puis tu travailles pour Satan. Mets ça dans ta tête. Alléluia. De ta maison là où tu vis. Où tu vis. Lorsque tu fais quelque chose. Où tu fais quelque chose. Qui est contraire à la parole de Dieu. Qui est contraire à la parole de Dieu. Qui est contraire à la doctrine de Dieu. Qui est contraire à la doctrine de Dieu. C'est que tu fais la volonté du diable. C'est que tu fais la Satan. Bien-aimé. Bien-aimé. Je te pose une question. On te pose cette question. Je te dis, il y a deux personnes qui contrôlent ce monde. On te dit, il y a deux personnes qui contrôlent ce monde. Alléluia. Il y a Jésus, il y a le diable. Il y a Jésus et le diable. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de qui? Tu fais la volonté de qui? De toi à moi. Alléluia. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu as fait ça. Tu fais la volonté de qui? Tu fais la volonté de qui? Bien-aimé. Bien-aimé. Tu suis le diable. Tu suis le diable. Sans t'en rendre compte. Inconsciemment. Et puis tu dis que tu es baptisé, confirmé. Tu dis je suis
Je parle la langue. Je parle la langue. Tu dis que tu es pasteur à l'église. Je prophétise. Tu dis que tu chantes à l'église. Chante à l'église. Cela ne peut pas t'envoyer au ciel. Cela ne peut pas t'envoyer au paradis. Mais cela ne peut pas t'envoyer au ciel. Jamais. Jamais. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi nous plaguer. Fais pas laisser le diable te plaguer. Il y a des choses que tu possèdes. Il y a des choses que tu as. Il y a des choses que tu portes. Tu portes. Il y a la manière que tu vis. La si tu vis dans ces choses. Alléluia. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer. Et comment c'est toi femme? Et comment c'est toi femme? Toi femme. Toi ma soeur. Toi ton fille. Ma mère. Toi maman. Alléluia. Il y a de la manière que tu t'appuies qui est très dangereux. Alléluia. Il y a de la manière que tu t'appuies. De la manière dont tu t'appuies. Qui est agressif. Alléluia. Il y a de la manière que tu t'appuies. Tu t'appuies. Tu blesses des gens. Tu blesses les gens. Il y a toi ta manière que tu t'appuies. Amen. Tu crées foufou au quartier. Certainement. Il y a de la manière que tu t'appuies. De la manière que tu t'appuies. Les gens ne se contrôlent plus. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ne sois pas fier de toi. Alléluia. En réalité, ce n'est pas toi. On va lire 1 Timothée chapitre 2 à partir de verset 9. 1 Timothée chapitre 2 à partir de verset 9. Je veux aussi. Que les femmes. Vêtues d'une manière. Décente. Avec pudeur. Et modestie. Ne se panie de tresse. Ni d'or. Ni de pelle. Ni d'habits somptueux. Serviteur de Dieu, on va compléter 1 Pierre 3, verset 3. On complète 1 Pierre 3, verset 3, c'est dans la parole. Il dit, ayez. Notre parure extérieure. Qui consiste. Dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Et les chabicons. Les chabicons qu'on rêvait. Que tu portes. Bien-aimé. Alléluia. En cas, tu dis quoi? Amen. Bien-aimé. Tu veux attendre quoi? Tu veux écouter quoi? On a qu'à te dire quoi? Avant que tu ne venais au monde. Avant que tes anciens parents. Alléluia. Tes aïeux. Ils allaient naître là. Ils allaient venir au monde. La Bible existait déjà. Et toi-même, ton programme n'était pas encore fait. Alléluia. Et puis la Bible existait déjà. Ça existait déjà. C'est dans cette même Bible là. C'est dans cette même Bible. On te dit faut t'habiller correctement. Avant que on voulait sortir là. Alléluia. Au temps de Moïse, il y avait déjà or. Il y avait déjà or. On te dit de ne pas porter or. Faut pas porter bracelet. Ne pas porter chaîne. Ne pas porter sexy. Il faut être vêtu décemment. Décemment. Il faut protéger ton corps. Cache ton corps. Le trésor que tu as là, c'est ton mari seul qui doit voir cela. Cache tes fesses. Cache ce que tu as. Cache tes fils. Toi, tu n'écoutes pas. Alléluia. Bien-aimé, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. Ça veut dire faut changer. Réponds-toi. Faut laisser ça. La parole te dit. Quand tu nais. Alléluia. Tu dois t'appuyer très proprement. Tu dois t'appuyer correctement. Tu dois t'appuyer correctement. Il dit. Ton temple. C'est le corps du Saint-Esprit. Ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, il dit. Ton corps que tu as. C'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé. Tu sais pourquoi il dit c'est le temple du Saint-Esprit? Amen. Dieu qui est Dieu là. Bien-aimé, on va lire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 16. Écoute la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Bien-aimé. Dieu, pourquoi il dit ton corps est son temple? Pourquoi il dit que ton corps c'est sa maison? Pourquoi il dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi il dit ton corps c'est son temple? Explique. Dieu qui est là.
Alléluia. Jésus-Christ qui est là. Il est là. On ne peut pas construire deux chambres salon. On ne peut pas construire villa pour lui. Jamais. Et puis il va dormir dedans. Jamais. Il trouve ça trop faible. Ça c'est faible. Il trouve ça trop un peu bizarre. Ça c'est foutaise. Il passe à hauteur. Alléluia. Normalement il ne doit pas vivre dans la maison. Jamais. C'est pour ça il dit. Toi ton corps là. Toi ton corps. Là-bas il est. C'est là-bas parce il est. Parce que ça là, c'est lui-même qui a créé ça. C'est ça même lui. C'est ça qui est un peu bizarre. Alléluia. C'est l'homme que personne ne peut fabriquer. Jamais. C'est lui seul qui peut fabriquer l'homme. C'est lui qui t'a créé. Ça, il doit vivre en toi. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que tu attends cette parole? Est-ce que tu comprends cette parole? Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es repenti. Répends-toi. Ton corps que tu maltraites, tu dis c'est pour toi. Ton corps que tu maltraites, tu dis non, c'est pour moi. D'après toi, tu dis tu entretiens. Alléluia. Bien-aimé. 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 Il a tout entretenu puis t'a donné. Certainement. Toi, tu as produit que Jésus. Alléluia. Toi, tu as produit que Jésus. Toi, tu as produit que Jésus. Il a tout fait et il t'a donné. Il a tout fait. Donc, il a pris son temps. Il a pris son temps. Pour te créer à son image. Pour te créer à son image. Je ne suis pas que l'image de quelqu'un. On ne dit pas que l'image de... On dit pas l'image de la voisine. Alléluia. On ne dit pas l'image du voisin. Alléluia. On dit lui son image. Amen. C'est vite de Dieu. L'image de chien, c'est chien. Amen. L'image de chat, c'est chat. Effectivement. Alléluia. Donc l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. En réalité, tu es un petit Dieu. Alléluia. En réalité, tu es un petit Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu vois tout le monde de loin. C'est pour ça qu'il y a un problème dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a un problème dans ton foyer. C'est pour ça que tu as un problème de mariage. C'est pour ça que tu as un problème d'enfantement. Tu ne dois pas courir derrière quelqu'un. Jamais. Tu ne dois pas courir des églises. Jamais. Tu ne dois pas appeler. Tu dois appeler pasteur. Tu dois pas pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi-même, tu es un petit Dieu. Parce qu'il a tout mis en toi. Parce que tu as le pouvoir de guérir. Aussi. Alléluia. Donc toi tu as passé ta vie à appeler seulement. Pasteur, prophète, tu vas payer transport. Bishop, tu vas passer ta vie à payer transport de ville en ville. C'est-à-dire, tu es devenu touriste. Alléluia. Tu te balades seulement. Tu te balades seulement. Tu cherches miracle. Quand tu cherches quand dit un prophète là, la lui est guéri. Il t'en va. Quand tu dis c'est comme ça, tu t'en vas. Tu t'en vas. Mais lui-même, il a tout mis en toi. Il a tout mis en toi. Le prophète que tu cours derrière lui là. Le prophète que tu cours derrière lui. Peut-être que tu es plus fort que lui. Tu es plus rempli que lui. Peut-être que tu es plus puissant que lui. Mais tu cherches quoi derrière lui? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi même? En ce cas, tu ne cherches plus Jésus. Tu cherches quoi? Tu cherches l'homme maintenant. Tu cherches l'homme. Parce que si tu as un problème, tu dois te mettre en genou. Tu dois te mettre en genou. Tu dois implorer la face de Dieu. Et tu dois implorer la face de Dieu. Tu dois implorer Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois appeler Jésus. Tu dis papa. Tu dois appeler Jésus. Il ne va pas. Papa, voilà le problème. Alléluia. Viens à mon secours. Mais si tu passes ton temps à appeler. Ton temps. Je ne sais pas, c'est parce que tu as une unité peut-être. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Bien-aimé, répands-toi de cela. Église ne peut jamais te sauver. Église ne peut jamais te sauver. Église ne peut jamais te sauver. Église ne sauve pas. La seule personne qui peut te sauver. La seule personne qui sauve. C'est la parole. C'est la parole. Mais la parole c'est qui? La parole c'est qui? La parole c'est qui? Alléluia. Il dit c'est lui-même. Bien-aimé, écoute cette parole. Bien-aimé, on a trop tourné, bien-aimé. Ne pense pas que nous qui sommes là, on vient du ciel. Bien-aimé, on a fait des choses pires que toi. Mais par la grâce de Dieu, il nous a pris. De la même manière qu'il nous a fait sortir de là. Alléluia. Il peut le faire pour toi. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Il te tend la main. Il te tend la main. Il dit viens. Il dit viens. Il dit viens. Il dit viens. Il n'est pas encore tard. Alléluia. Viens. Il peut t'accepter. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu peux passer ton temps. Hein? Tu peux passer tout ton temps. Tu peux passer ton temps. Hein? Tu peux passer tout ton temps. Applaudis quelqu'un. Applaudis quelqu'un. Applaudis quelqu'un. Applaudis quelqu'un. Quelqu'un qui a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent. Quelqu'un qui a tout. Il a tout. Tu l'applaudis. Tu l'applaudis. Tu es toujours avec lui. Tu l'apprécies. Mais lorsque tu essayes petit seulement. Lorsque tu essaies petit seulement. De déraper un peu. De déraper un peu. Il oublie que tu l'applaudissais. Alléluia. Il oublie que tu étais avec lui. Il va t'enfermer. Mais lui que je te parle de lui. Celui qu'on te parle. Quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es. Il est avec toi. Il est avec toi.
Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est lui-là même qui est mort pour toi. Il est mort pour toi. Bien-aimé. 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 Est-ce que tu peux donner ta vie pour gagner seulement? Est-ce que tu peux donner ta vie pour gagner seulement? C'est-à-dire, on te dit. On te dit. Si tu ne donnes pas ta vie, on te tue toute la ville de Gagnon. Alléluia. Est-ce que tu peux donner ta vie pour cela? Réponds. Mais lui, quand on te parle de lui, celui dont il a donné sa vie pour le monde entier. Il a donné sa vie pour le monde entier. Pour la planète. Pour la planète. Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus est réel. Jésus est vrai. Bien-aimé. Bien-aimé. Si on te plaque. Si on te plaque. Réfléchis et puis dis non. Réfléchis et dis non. 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 Église ne sauve pas. Église ne peut jamais te sauver. Mosquée ne sauve pas. Mosquée ne sauve pas. Oh. Bien-aimé. Bien-aimé. Lui seul qui sauve. Celui qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Lui seul qui sauve là. Celui qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus, Jésus seulement. C'est ce qu'il sait. Alléluia. Et c'est ce que tu dois savoir. Et c'est ce que tu dois savoir. Il sait que tu sais. On sait que tu sais. Mais tu tournes, tournes. Tu tournes en rond. Parce que lorsque tu te lèves, lorsque tu te lèves, de la petite force qu'il t'a donné, alléluia, petit souffle qu'il t'a donné, petit souffle qu'il t'a donné, pour que tu l'adores, pour que tu l'adores, pour que tu l'adores, esprit en vérité, en esprit en vérité, tu as le courage d'aller couper des bois, alléluia, tu vas tailler ça, tu vas placer ça dans ta chambre, tu vas dire que c'est ton Dieu, alléluia. On va lire Jean chapitre 4. Écoute la parole de ton Dieu. À partir du verset 21. À partir du verset 21. Femme. Femme. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. Le vient. Le vient. Où ce sera? Où ce sera? Ni sur cette montagne. Ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez. Vous adorez. Ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons. Nous nous adorons. Ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons. Car le salut vient de Jésus. Le salut vient de Jésus. Mais le vient. Mais le vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit en vérité. En esprit en vérité. Car ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Que le Père demande. Que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que. Et il faut que. Ceux qui l'adorent. Ceux qui l'adorent. L'adorent. En esprit. En esprit. En vérité. Et en vérité. Alléluia. Bien-aimé. 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 Vas-y. Bien-aimé, là où tu es, l'esprit. Là où tu es. Fais descendre. Descends. Parce qu'on a beaucoup à te donner. On a beaucoup à te dire. Bien-aimé. Bien-aimé. On ne peut pas te dire des choses. On ne peut pas te dire des choses. Qui vont gâter nous nos commerces. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Moi qui suis un commerçant. Je suis un commerçant. Je ne peux pas te dire. On ne peut pas te dire. Tomate que tu viens acheter là. Tomate que tu viens acheter. Aubergine que tu viens acheter là. Aubergine que tu viens acheter. Chenille dedans. Tout ça pour rien. Gâté. Alléluia. C'est sûr que tu peux payer. Jamais. Bien-aimé, bien-aimé, c'est de cette même manière. C'est de cette même manière. Quand tu parles ce soir, alléluia, tu es surpris. Tu es surpris. Tu es surpris. Tu es choqué. Tu ne crois pas. Alléluia. Tu dis, mais cela, mais ils disent quoi? Tu dis, mais cela, ils parlent de quoi? Ils disent quoi même? C'est normal. C'est normal. Parce que la personne fait son commerce. Parce que la personne fait son commerce. Il ne peut pas faire tomber sa recette. Il fait se mettre à la cour. Il fait son commerce. Alléluia. Il loue maison. Il loue maison. Il a des familles. Il a des familles. Église même il loue. Il veut vêtir moto. La carte est dit. Alléluia. Que je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Jamais. Ne se pas ni de tresses ni de perles. Il n'a pas que. S'habille de manière vertueuse. Alléluia. La carte est dit tout ça. Jamais. Et puis tu as pu venir. Et puis tu vas. Et puis son commerce va tomber. Et puis son commerce va tomber. Bien aimé. Bien aimé. C'est pour ça qu'il te dit l'église ne sauve pas. C'est pourquoi on te dit. L'église ne peut jamais te. Tant que tu vas suivre l'église, si tu suis église, tu vas en pousse. Tu vas en pousse. Parce que l'église que tu vois là. L'église que tu vois. Église où ça, c'est qui toi tu vois là. Église remplie de batteries de piano. Tu vois là, climatisée là. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Vois un bâtiment. Vois un bâtiment. Vois un bâtiment pris. Vois un bois. Donc pense que. Tu penses que. Pense que aussi un jour. Tu penses qu'un jour. Le bâtiment qui est là. Bâtiment qui est là. Ça va se casser. Ça va se casser. Ou bien la maison qui est là. Mais maison qui est là. Un jour ils vont casser. Ça va tomber. Bien aimé. Bien aimé. C'est de cette même manière là-bas. C'est de cette même manière là-bas. Si tu me comprends, tu me comprends. Alléluia. Amen.
Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu ne peux pas courir dans quelque chose que tu ne connais pas. Jamais. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Si tu es chrétien, tu ne connais même pas la Bible. Tu ne sais pas, tu commences où tu te prends. Non, il dit tout est écrit dans sa parole. Tout est écrit dans sa parole. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a des choses, on n'est pas obligé de dire. Jamais. Quand tu es assis. Toi-même, tu sais. Et puis tu réfléchis. Et puis tu sais. Moi-même, souvent, il m'assoit. Alléluia. Et puis je réfléchis. Amen. Il dit, tiens. Jésus est fort. Hein? Il est fort. Je vois des moutons qui marchent à quatre pattes. On voit des moutons qui marchent à quatre pattes. Moi, il y a deux pieds seulement. Deux pieds. Et puis il marche. Et puis on marche. En fou. Il est fort. Hein? Il est fort. Hein? Même caillou. Même caillou. Tu sais, pas caillou. Caillou. Et puis il dépose os. En il essaie de casser un caillou. Essaie de casser un caillou. Ça ne peut pas se casser. Alléluia. Mais lorsque je prends ma bouche. Ma bouche. Et puis je casse os. Je casse os. Il dit tiens. Mais Jésus, il est fort. Hein? Il est fort. Bien aimé, c'est à ce stade-là que tu dois être. Alléluia. Tu dois être reconnaissant d'une manière étonnée. Alléluia. C'est-à-dire que tu es reconnaissant. Toi-même, tu es reconnaissant. Papa, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fait beaucoup de miracles. Tu t'en vas là-bas seulement. Tu t'en vas. Bien aimé. Tu tombes. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare. Tout ce qui est vendu au marché. Tout ce qui est vendu au marché. Est mangeable. Est mangeable. Dieu qui est là. Dieu qui est là. Il sait faire les choses. Il sait faire les choses. Il sait créer les choses. Il sait créer les choses. Mais il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui. Il dit, moi je ne mange pas ça. Il dit non. Il dit que moi j'ai totem. Totem. Moi je ne mange pas mouton. On ne mange pas mouton. Moi je ne mange pas rat. On ne mange pas rat. Nous dans nos familles là-bas, on ne mange pas gazelle. Alléluia. Nous dans nos familles, on ne mange pas serpent. On ne mange pas serpent. On ne mange pas piton. On ne mange pas piton. C'est que ici c'est sorti là-bas. Alléluia. Bien aimé, c'est que ce n'est pas Dieu qui adore. C'est pas Dieu qui t'adore. Il dit. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? C'est quoi qui te fait peur? Tu as dit que toi tu ne manges pas ce qu'il a créé. Et puis ce qu'il a donné, il t'a donné le pouvoir de commander. C'est grave. C'est grave. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu es Jésus, tu n'as pas de totem. Jamais. Quand tu es Jésus, tu n'as pas de totem. Jamais. Si tu as totem, c'est que tu n'es pas en Jésus. C'est que tu as un problème. Revois-toi. Il y a un problème qui ne va pas. Il faut te revoir. Revois-toi. Même si ta famille dit, ça là, c'est le totem de la famille. Tu dis moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça n'a aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Ça n'aura pas lieu. Amen. Et ça n'arrivera jamais. Bien aimé, on va lire 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 dit. À partir du verset 4. À partir du verset 4 dit. Il dit car. Tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. Est bon. Est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté. Pour vos corps. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié. Par la parole de Dieu. Et par la prière. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il t'explique quelque chose. Amen. Quelque chose. Il dit tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé. C'est bon. Bien-aimé. C'est juste. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire. Alléluia. Que nous on ne mange pas porc. Que nous on ne mange pas porc. Et puis regarde les imaginations. Hein. Alléluia. Regarde comment ils réfléchissent. Bien-aimé, toi qui l'écoutes ce soir. Il raisonne. On va réfléchir ensemble. Bien-aimé, ils disent. Dieu a pris un esprit. Pour mettre ça dans les porcs. Ok. Alléluia. Ça veut dire que les porcs existaient avant. Les porcs existaient avant. Qu'il va faire le miracle, les porcs existaient avant. Ça existait avant. Et puis il a pris l'esprit pour mettre ça dans les porcs. Dans les porcs. Maintenant, les porcs qu'on élevait avant là-haut, c'était pour faire quoi? Question. Parce que si c'est à cause de ça, on ne met pas porc. Si c'est à cause de ça. Ouais, c'est que vraiment. Alléluia. Tu n'as pas encore trouvé. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé même de réfléchir. C'est-à-dire, même c'est tu n'as pas encore trouvé. De là à là. Réponds-toi. Bien-aimé. Tu n'as pas faim. Parce qu'avant que tu vas prendre un esprit pour jeter dans le port. Alléluia. Il y avait déjà élevage de porc. Et il y avait des élevages de porc. C'est parce qu'il a vu l'élevage. Alléluia. C'est comme ça qu'il a pris l'esprit et il l'a jeté dans le port. Donc ceux qui élevaient les porcs avant là, c'était pour manger. Eux-mêmes, ils mangeaient porc avant. Ils mangeaient porc avant.
toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es plus fort que Abraham. Tu es considéré que Abraham, tu es considéré que Moïse, Monsieur là même mangeait le porc. Il mangeait le porc. Toi tu dis quoi? Et puis toi tu dis quoi? Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Si toi ton Dieu là aime pas Paul là, si ton Dieu, c'est ton Dieu, Dieu là, je te dis il est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. Parce que le jour que moi je prends Paul, alléluia, arrêtez devant ton Dieu. Alléluia. C'est comme si ton Dieu là va fuir. C'est parce que ton Dieu il a peur de Paul. Il a peur. Il doit prendre Paul pour mettre à côté de lui. Et puis fuit. Fuit. Réponds-toi. Réponds-toi. Nous notre Dieu là. Change. Il n'a pas peur de porc. Alléluia. Il m'a dit. Il a donné le pouvoir. Il vous a peur. Marcher sur les serpents. Bien-aimé, de la manière que scorpion n'est pas vendu au marché, ça veut dire en vérité qu'on ne doit pas manger cela. On ne doit pas manger cela. De la manière que mi-pâte n'est pas vendu au marché, en réalité on ne doit pas manger cela. Poc, poc, toi tu ne manges pas. Alléluia. D'accord? Et réponds-toi. Réponds-toi. C'est mangeable. Parce que tu as, c'est comme si une manière de corriger Dieu. Tu corriges Dieu. Tu veux lui dire que ce qu'il a créé, alléluia, ce qu'il a créé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hein? Attends. Ta philosophie là, tu as levé ça ouf. Répands-toi. Parce que là, on n'est pas obligé d'aller loin pour réfléchir. Bien aimé, il y a un problème qui ne va pas. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. On te dit qu'il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu dis. Que si tu n'arrêtes pas ces choses, bien aimé, ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Bien aimé, toi femme. Ta femme. Tu portes des boucles d'oreilles. Oreille. Tu portes des bouts d'oreilles. D'oreille. Toi femme. Toi garçon. Toi femme. Toi garçon. Toi femme. Toi garçon. Tu portes des bouts d'oreilles. Bien aimé, réponds-toi. 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 Bouts d'oreilles. Bouts d'oreilles. Quand pas de bouts d'oreilles. On a habitude d'engue. On a l'habitude d'entendre. Amen. Que bon je souffre. C'est normal de porter bout d'oreille. Parce que ce bout d'oreille là, ici. Bien aimé, tu te trompes. Détends-toi de toi maintenant. Détends-toi de toi maintenant. Détends-toi de toi maintenant. Parce que lorsque tu es né. Lorsque tu es né. Lorsque tu es né. Il n'y avait pas d'oreille. Alléluia. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Verset 17. À partir du verset 17. Alors, André est puissant. Alors, André est puissant. C'est à l'oreille. On prend la parole à partir du verset 15. Alléluia. À partir du verset 15. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, un pas qui se chante bien chez toi, et qui se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poisson et tu lui perceras l'oreille, toi tu l'apportes, et il sera toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Bien-aimé, les bouts d'oreilles que tu portes, ne dis pas que c'est une manière de signifier de dire que tu es femme. Parce que avant que tu allais naître, bien-aimé, bouts d'oreilles, c'est une manière de te voir en captivité. C'est une manière que l'ennemi, c'est une occasion que l'ennemi prend, hein, tu vas te servir. C'est une manière de fermer tes oreilles. C'est une manière de faire en sorte que, quand il y a une parole qui sort, une parole qui sort pour toi, tu ne puis pas, tu ne puisses pas écouter. Bien aimé, réponds-toi. 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 Lorsque tu fais ton enfant, et la bonne mère, on n'est pas obligé de savoir. On n'est pas obligé d'avoir bout d'oreille pour savoir si c'est femme ou si c'est un garçon. Sans bout d'oreille, on sait que c'est femme. Sans bout d'oreille, on sait que c'est garçon. Ne dis pas que ces bouts d'oreilles là, qui divisent, qui te montrent que tu es femme. Réponds-toi de cela. Réponds-toi de cela. Bout d'oreille ne vient pas de Dieu. Bout d'oreille ne vient pas de Dieu.
Combien t'as ton pouc d'oreille? T'as ton pouc d'oreille? On dit pouc tes oreilles. Et puis tu payes et tu poques. Ben amé, réponds-toi. 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 Cela ne fait pas de Dieu. Cela ne fait pas de Dieu. Là où c'est écrit dans la parole que tu dois porter un bout d'oreille, là où c'est écrit dans la parole que tu dois porter sexy, bien aimé, Dieu me montre le chapitre. La parole de Dieu dit, n'aime point le monde, les choses qui sont. Bien aimé, la Bible est sortie avant que tu allais naître. La Bible est sortie avant que ton arrière-grand-père naître. La Bible est sortie avant que tes aïeux allaient naître. Mais c'était déjà écrit dans la vie. Il n'y a rien dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est éphémère. Tout ce qui est dans le monde, c'est pas pour longtemps, c'est pour un temps. Tout ce qui est dans le monde, ce n'est pas pour l'éternité. La parole de Dieu est pour l'éternité. La parole de Dieu ne passe jamais. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui prends des faux hommes. Toi qui prends des faux signes. Tout ce qui est faux, tu prends, tu mets sur toi. T'as ton faux signe. T'as ton faux homme. T'as ton bien que c'est faux, mais tu prends. Parce que tu te dis que tu as l'argent. Parce que tu te dis que tu as la santé. C'est celui-là même qui permet que tu as la santé. C'est celui-là même qui permet que tu aies un souffle de vie. C'est comme si tu te relèves. Bien-aimé, c'est un danger. Lorsque tu mets tout ce qui est faux, lorsque tu mets tout ce qui est faux, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que là-bas, ceux qui rentrent là-bas, ils sont vrais. Lorsque tu mets ce qui est faux, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les jeux de coupe décalés. Bien aimé, ne mets pas les vernis. Ne mets pas les vernis. Ne mets pas les faux tickets. Tu t'habites les faux mèches. Les têtures. Et tu vas penser que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Et il y a ces gens-là qui vous blaguent. Il y a les gens qui vous blaguent. Vous dites. Dieu là c'est le cœur, il regarde. Mais ce n'est pas le corps. Bien aimé, c'est là que tu mens. 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 Bien aimé, là où tu es arrêté. Là où tu es arrêté. Là où tu te trouves. Avant que tu allais venir t'arrêter. Avant que tu allais venir t'arrêter en ce lieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il t'a dit de venir t'arrêter là. La décision vient de ton cœur d'abord. C'est ton cœur qui a dit, faut venir vendre. C'est ton cœur qui a dit, faut venir chercher l'argent. C'est ton cœur qui a dit, viens t'arrêter. Non, le sexy que tu portes, le comportement que tu as, les collants que tu portes, les mains que tu mets sur ta tête, tout cela vient de ton cœur. Quand tu dis que Dieu est dans le cœur, quand tu dis que Dieu est dans le cœur, les formes que tout ce que tu fais vient de ton cœur. Tu es d'accord avec moi? Tout ce que tu fais, Dieu est ton cœur. Si tu me dis que Dieu regarde le cœur, c'est ton cœur là. C'est ton cœur qui te dit de porter ça. C'est ton cœur qui te dit de faire ça. C'est que ton cœur là, faut revoir. Faut revoir ton cœur. Parce que tu ne peux pas porter sexy. Parce que tu ne peux pas porter sexy. Sans que ton cœur soit témoin. Alléluia. C'est impossible. Lorsque tu sors de cette de toi, alléluia. C'est parce que ton cœur aime. C'est parce que ton cœur aime. Ça te forme d'abord dans ton cœur. Alléluia. Et après ça sort. Si moi je me lève aujourd'hui. Je me lève aujourd'hui. Je vais traverser.
choses à traverser. C'est mon cœur qui a décidé cela. Il a dit traverse. Si mon cœur dit de ne pas traverser, c'est arrêté. On a arrêté. Bien-aimé. Tu ne peux pas arrêter. Ça, c'est du mensonge. On te ment. Que Dieu regarde le cœur. Il n'y a pas le corps. Il n'y a pas le corps. Pourtant, il t'a dit ton corps là, c'est le temps. Pourtant, il t'a dit ton corps là, c'est le temps. Ton corps. Ton corps. Il t'a dit ton corps là. Ton corps là. Ça, c'est sa maison. Alléluia. Quand tu deviens son enfant, bien-aimé, bien-aimé, si tu as touché